je m'appelle Georges Schwitzgebel. Je suis né plutôt dans le Jura. Mes parents sont venus à Genève en 50. Donc j'ai fait toutes les écoles à Genève. Et puis j'aimais beaucoup dessiner très tôt. Et je voulais plutôt faire un autre métier que dessinateur, pilote d'avion ou ingénieur. Mais mes parents m'ont dit, mais tu dessines bien, il faut aller aux Beaux-Arts. Et même j'ai changé, j'étais en peinture aux Beaux-Arts. Et je ne trouvais pas que peintre, c'était un vrai métier. Donc j'ai obliqué sur les arts décoratifs pour faire dans la section graphiste. Et là-bas, j'étais un peu une exception parce qu'ils étaient tous là contre l'avis de leurs parents et moi, j'étais un peu poussé par mes parents. Je m'appelle Claude Luyet, j'ai toujours vécu à Genève, je suis né à Genève, bien que d'origine valaisanne. Au départ, après l'école normale, j'ai fait un apprentissage de graphiste. Je m'étais inscrit pour les arts décoratifs, mais entre-temps j'ai trouvé un apprentissage. Et puis dans le graphisme, qui est une très bonne formation pour l'esthétique, évidemment, il y a moins le côté illustration, donc j'ai plutôt penché pour l'illustration. Moi, j'ai fait un film, j'imaginais pas faire ça, j'imaginais peut-être continuer à faire de l'illustration, du graphisme, et que c'était sympa d'avoir cette occasion. Et puis après, ça s'est enchaîné, un deuxième, un troisième, un quatrième, donc c'est une sorte de hasard. Ouais, au niveau de la technique pour mes films, ça a évolué, il n'y a pas une seule technique. Au début, c'était assez traditionnel, c'est-à-dire un décor, des cellulos où on dessine au trait les personnages à la plume et on gouache. Mais en même temps, j'étais assez intéressé à apprendre un petit peu quand même l'informatique, surtout pour mixer, parce que c'est pas vraiment faire tout sur la tablette, mais c'est introduire dedans des matières, ça peut être des photos de murs, de tissus ou des fonds faits au pinceau. Le mélanger tout ça, c'est ça que je trouvais exceptionnel. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, après, on a rien pour exposer. Donc ça supprime la possibilité d'exposer des dessins, comme le fait Georges, puisqu'il a vraiment, c'est comme des tableaux. Moi, c'est que des éléments dispersés qui sont rejoints. Mais maintenant, ça me convient. Ce qui me convient un peu moins bien, c'est cette histoire de poste de travail. Il y a un côté, travailler comme dans un bureau, devant un ordinateur. Et ça, c'est un peu fatigant. C'est pas très jouissif par rapport à une autre technique où on change, où on a plus de mouvement. Mais j'essaye quand même d'avoir une technique qui est pas tout à fait comme font les jeunes maintenant, qui le font le plus rationnellement possible. Je peux passer beaucoup de temps sur quelque chose que je cherche. J'ai surtout envie que ça ressemble pas vraiment au look habituel qu'on fait avec l'ordinateur. Suivez cette voiture. Laquelle, mon petit monsieur? La rue est vide. Celle qui était devant vous. Elle vient de tourner à gauche. Mais bon, j'aimais pas tellement les dessins animés classiques, les cartoons. C'est pas du tout ça qui m'a intéressé. C'est en voyant au Festival d'Annecy des films à la peinture ou... Et c'est ce genre de film
que j'ai vu là-bas qui m'a donné envie de faire du dessin animé. Que ça avait bien l'air d'être fait à la main, quoi. Les choses qui m'intéressent dans l'animation, c'est la musique, c'est les cycles, les métamorphoses, et puis les mouvements dans l'espace. Un peu au début des films d'animation, les métamorphoses, les mouvements dans l'espace, c'était caractéristique, parce que c'était très compliqué en prise de vue réelle de faire des mouvements dans l'espace. Et dans l'animation, ce qui m'intéressait, c'était qu'il y avait à la fois la peinture, le dessin, et des problèmes techniques à résoudre. Donc, moi j'aime beaucoup les mathématiques, et j'aimais bien la géométrie aussi à l'école. Donc, c'est ça qui m'intéressait, ce mélange du côté technique et artistique. Donc, quand j'ai vu donc, ces films à Annecy qui avaient peint ou dessiné vraiment différemment que des cartoons, j'ai eu envie de faire la même chose. Moi, je me suis limité au dessin, mais j'ai fait que ça. Et puis, je travaille encore comme avant, c'est-à-dire en utilisant des cellos. Donc, je travaille toujours sur ce matériel. Pas pour mettre des décors, parce que je redessine des décors chaque fois, mais j'aime bien peindre sur le plastique, sur l'acétate. Les pinceaux glissent bien, et j'aime bien utiliser la peinture acrylique, parce que ça imite un peu la peinture à l'huile. Mais avant de filmer ces images, j'ai dessiné au crayon toute l'animation, parce que ce qui m'intéresse beaucoup dans le dessin animé, c'est le mouvement. Pas forcément l'histoire, j'ai pas toujours envie de raconter une histoire, mais c'est comment ça bouge. Donc ce qui est très important, c'est de faire avant toute cette animation, donc image par image, au crayon, sur du papier, et puis ensuite je reporte ça à la peinture en couleur sur un fond noir. J'ai aussi presque toujours utilisé des fonds noirs ou très foncés, parce que au cinéma c'est de la lumière sur un fond noir, si on veut, contrairement à une toile blanche sur laquelle on met de la peinture. Donc, c'est un peu cette idée-là qui m'avait, au départ, fait utiliser du papier noir. Par exemple, je parlais que je travaillais encore sur acétate à la peinture. Là, il y a un exemple. On voit l'acétate. Il y a un fond noir, un décor. Mais en fait, c'est pas un décor, c'est une image. Et puis ensuite, dans cette séquence, je modifie seulement ce qui change parce que tout tourne. Et puis, encore un, puis ensuite on passe à un autre dessin. Mais c'est ça, l'animation qui se faisait toujours sur acétate. Et puis ça, c'est important pour repérer les dessins. Bien sûr, quand on travaille à l'ordinateur, il n'y a plus besoin de ça pour repérer les dessins. Ça, c'est une planche d'un film qui raconte la vie d'une femme. On la voit ici à tous les âges du film. Et en haut, il y a l'endroit où elle habite dans une petite ville, dans son quartier. Ici, il y a l'église. Ce plan est important pour que la personne qui fait le son sache exactement, si je lui dis que je veux une cloche d'église, qu'il peut évaluer la distance. Il y a des sirènes d'usine. L'usine est ici. Il y a plein d'éléments comme ça, géographiques, qui sont importants de connaître.
Alors, je travaillais la plupart du temps seul. Et puis, depuis le digital, je collabore avec quelqu'un pour la post-production, Jonathan Lascar, parce que ce qu'on faisait directement en filmant, c'est-à-dire des mouvements, des déplacements, des zooms, maintenant on ne les fait plus, on filme, on fait une image par dessin. Puis ensuite, ce qu'on appelle le compositing, la personne déjà elle va doubler les dessins, faire les mouvements que j'ai indiqués, donc tout ça, ça se fait à l'ordinateur. Jonathan, je lui demande, là, pour faire cette séquence, il me dit, mais là, tu fais seulement ça sur fond noir, ça, comme ça, puis après, moi, je mets ensemble. Ou bien il me dit, ça, je pourrais le faire, mais si tu le fais à la main, ça sera plus joli quand même. Donc, je collabore avec lui pour la post-production. Et c'est tout, parce qu'après, tous les mouvements, je les fais à la main. J'aime bien, comme ça m'a toujours intéressé, même si ça n'a pas la fluidité d'un mouvement fait par l'ordinateur, mais des fois c'est mieux qu'il n'y ait pas cette fluidité. Mais pour moi, le digital n'a pas changé grand-chose. Je passe une semaine à filmer au lieu de passer trois semaines, et puis ça se fait à la post-production, mais ce n'est pas une grande différence pour moi. En général, je mets en tout cas 2 ans pour un film, même s'il n'a que 3 minutes. C'est que sur 2 ans, je passe peut-être une année à faire des essais de line test, de mouvement, de dessiner toute l'animation. Puis ensuite, une année pour peindre, faire des modifications et puis filmer. C'est assez rapide, c'est peut-être 10 jours. Mais après le compositing, c'est aussi 2 semaines peut-être. Non, le grand travail, c'est de faire toute l'animation, concevoir l'idée, et puis la peinture, un peu moins long, mais quand même. Le moment difficile, c'est de trouver l'image que je veux pour le film que je suis en train de faire. D'autant plus qu'elle change chaque fois. C'est-à-dire, je recommence un petit peu à zéro chaque fois, puisque ce n'est plus la même image, ce n'est plus la même manière de travailler. Mais c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est motivant, parce que je ne sais pas où je vais. C'est un peu comme un voyage. J'avance. Et puis à un moment donné, ça ne marche pas, c'est comme si je marche dans la boue. Et puis tout d'un coup, ça s'éclaircit, je sens que je m'approche. Et quand j'ai l'image, là c'est une joie, parce que je sais que je vais pouvoir avancer dans quelque chose qui me convient. Et après, je rentre dans une espèce de bulle et ça ne s'arrête pas pendant une année ou deux. Le processus créatif, par exemple, les idées ou le scénario, comment elles viennent, bon, c'est toujours un petit peu mystérieux. Mais par exemple, si on parle du film d'avant, Le fil d'Ariane, dans ma tête, c'est un scénario que j'avais il y a déjà 30 ans. Mais il n'était pas réalisable parce que à cette époque, j'étais jeune, je voulais des trucs assez brusques et il y avait une fin horrible, quoi. Et au fil du temps, j'ai trouvé la manière de le traiter autrement, mais c'était 30 ans après. Mais la chose qui est sûre, c'est qu'il y a des gens maintenant en animation, ils doivent faire un film tous les 2 ans s'ils ne veulent pas disparaître. Et moi, j'ai fait un film tous les 5-6 ans. Donc je disparais à chaque fois, ce qui est très bien.
parce que c'est seulement, c'est un peu quand c'est une urgence, que tu dis oui, ça je veux le faire parce que je sais que ça je vais aller au bout. Si c'est juste une petite idée et puis que je dis bon, je vais essayer, je vais commencer, on en prend quand même pour 3 ou 4 ans. Hein, donc il vaut mieux bien réfléchir avant de démarrer. Alors au niveau de la production, ça a changé, ça c'est compliqué. Mais bon, il y a beaucoup plus de monde, il y a des écoles de dessin animé. Mais c'est pas seulement compliqué pour le dessin animé, pour le cinéma en général. Même dans les longs métrages, il y avait des réalisateurs qui produisaient eux-mêmes leurs films. Maintenant, c'est plus possible. Bon, les tout premiers films, il n'y avait aucune possibilité de financement. Donc on les a faits en travaillant un petit peu à côté, en faisant du travail d'affiches ou de graphisme, et puis à côté, le film. Et à un moment donné, il y a quand même eu une petite ouverture. Ils ont considéré que l'animation, hein, c'était quand même aussi du cinéma. Parce qu'avant, ils disaient, oh, un film de 3 minutes, on ne va pas donner de l'argent pour 3 minutes. Il a fallu que des personnes comme Ansorge, un ancien animateur très connu, leur expliquent dans ses commissions que c'était pas comme ça. Il a fallu leur expliquer, mais il y a 12 dessins par image, ça fait pour 3 minutes en dessin, bon, pour que ça se développe un peu. Par exemple, pour Roche, le film que je parlais un peu expérimental, évidemment qui était plus dur à financer, j'avais à peu près 10, 12 000 bas ou 14 000 francs de dettes. J'ai donc été travailler à mi-temps pendant 4 ans à la poste. Mi-temps, postier, donc vraiment. C'était super d'ailleurs, un peu fatigant. Et puis l'après-midi, j'allais à l'atelier. Avec ça, j'ai pu rembourser et repartir. Et comme nous, on fait tout, production, réalisation, animation, tout. Et là, c'est très lourd. C'est toujours plus difficile maintenant. Donc, les jeunes, ils ne font pas ça. S'ils veulent faire un film, ils ne veulent pas avoir ces problèmes. Ils veulent tous avoir un producteur. Et ils ont raison. S'ils veulent avancer, il faut qu'ils fassent ça. Mais la manière dont on travaille, et Georges, même si c'est différent, et moi, on peut dire que c'est une espèce en voie de disparition. Parce qu'il est clair qu'un jeune ne peut pas travailler comme ça. Il pense quand même à la vie, avoir une vie normale, de salaire et tout ça. Nous, comme on a démarré dans une époque qui était quand même favorable, puisqu'on pouvait vivre avec très peu de choses dans les années 70, on a gardé cette manière de fonctionner, que ça passait avant. C'était ça le plus important, c'est de pouvoir continuer à faire ça, et peu importe si on mange des spaghettis avec ou sans sauce tomate, hein, pour prendre un exemple simple. Même si demain je suis de nouveau, que j'ai plus de sous, c'est... Avoir pu faire ça jusque-là, mais c'est un miracle déjà, c'est fantastique.